La commune de Gazeville a été retenue dans le cadre de l'AMI, appel à manifestation d'intérêt. Avantage, la cité va obtenir des aides de l'État pour rénover son centre-ville, une urgence pour l'habitat dont une grande partie date du milieu du 19e siècle. De Gazeville, qui a démarré en 1830 à peu près, était sur le plan de l'urbanisation, petit à petit, des urbanisations incohérentes, pas de même niveau, qui se sont retouchées. Et aujourd'hui, on vit quand même avec cet habitat du passé industriel minier et sidérurgique. Pour qu'il soit éligible, le projet devait être aussi porté par la communauté des communes, pas évident depuis les dernières municipales, mais les élus ont travaillé sur l'intérêt général et commun qui devrait redonner une autre image du bassin. Aujourd'hui, on a appris à travailler ensemble, on a appris à avoir un avenir ensemble. Donc c'est pour ça que ça me conforte dans l'idée que si une commune gagne, c'est tout le territoire qui gagne. Parce qu'aujourd'hui, on a besoin de se resserrer, on a besoin d'avoir une vue globale des choses, et on ne peut pas l'avoir au niveau d'une seule commune. Le plan de rénovation porte sur les 5 hectares du centre-bourg, en particulier sur l'habitat. Des démolitions sont prévues, mais aussi la restauration de l'existant et le percement d'allées pour aérer la cité et la rendre plus attractive. Le cœur de ville logeait à l'époque 1200 habitants, aujourd'hui n'en loge que 300. Et aujourd'hui, d'ailleurs, le gouvernement et les consignes qui sont données aux collectivités, c'est de ne plus aller bâtir sur des terres agricoles, c'est de rebâtir sur les centres-villes, pour des problèmes écologiques, etc. Donc tout ça, c'est très cohérent. Un projet à 28 millions d'euros sur 6 ans, avec pour commencer un concours d'urbanisation de 400 000 euros, dont le coût sera supporté par l'État.